ouais, le buff de Rumble est sympa. Alors, le buff de 7, j'en ai aucune idée. Ils ont fait quoi sur 7? Le PD de Tokyo Revenger. Peut-être après, ouais. Pour l'instant, mon ami, je suis un peu en game. Notre Yon qui ne s'est pas reconnecté, va-t-il se reconnecter un jour? Nous le verrons dans le prochain épisode. Ah, il s'est reconnecté. Je pense que je vais jouer avec le E. Bon, attention, c'est un Viego, il a pas besoin non plus d'un pool de fou, ça sustaine beaucoup dans la jungle. Ok, ok. Ah, dommage, je pensais avoir les 3 CS. Ok, la marque est bien placée pour l'instant. Elle va s'enlever, elle va aller vers le haut normalement. C'est pour ça que c'est le moment de l'enlever, hop là. Et elle va aller normalement à gauche. Ah non, elle retourne vers le bas, ok, ok. Elle va faire péter la marque, je pense. La bousille pour l'instant. Le match-up est plutôt bien géré. Pas trop eu le choix. C'est parfait parce que ça push vers moi. J'ai pas trop eu le choix de toute façon. J'étais obligé de trade kill. Après la wave est bien donc ça va, c'est fine. Alors j'ai turn sur Fura parce que je connais plus ou moins le CD de sa riposte. Et je savais. En tout cas, à quelques secondes près. Je savais qu'elle n'avait pas récupéré. Pas de chance. Ok, on voit encore elle qui est là. Je vais lui faire perdre du temps. Voilà, je lui fais perdre un peu de temps, c'est toujours ça. Normalement, Gwen va revenir. Je pense si Fura reste avec très peu d'HP, c'est que Gwen doit être dans les parages. Ok, après il faut penser que Fura a l'avantage du flash. Ok. Ok, la dodge comme ça. Il y a un monde où Gwen peut revenir. Je l'ai pas. Ah ok, elle est bot, je crois. Ok, Gwen est bot. Là, c'est maintenant qu'il faut venir. Ah, merde, my bad. Il
Mal joué. J'aurais dû attendre. Ok, bien joué. Rebel Conqueror. Pour le coup, ça fait le taf. Malgré l'ulti Soraka. Ok, let's go. Grosse domination top lane pour l'instant. On va rush de l'anti-heal, hein. Gwen, Soraka, Fiora. Il n'y a pas cherché à... On va pas chercher à comprendre, sachant qu'il y a une Soraka aussi en face. Et que même si j'ai de. Si j'ai des chiens Ignite, bon, avoir de l'anti-heal en perma sur mon Q-spell et sur mes sorts, c'est important. Alors je vais push. J'aurais pu freeze, mais je vais push comme ça. Comme ça, il y a l'Héral qui va pop. Vas-y, je peux. Ok, pour l'instant, ils ont pas l'air, il a pas l'air d'avoir besoin d'aide. Après, on peut retuer là. De toute façon, cette game, il faut jouer autour de moi. Hein. Ok, mon ulti était peut-être un peu trop derrière, mais ça va. On a un free Herald. Ouais. Ouh, attention, bot. Hein. Gwen est bot, de toute façon, 100%. Est-ce que vous connaissez, les gars, le build de la spéciale Peju ou pas? Il a aucune info là sur mes alliés. Ok, Pyke arrive. Il est pas à niveau 6, donc bon. Ça, c'est dommage. Je pense qu'il faut juste jouer autour de moi en vrai dans cette game. Bon, pour l'instant, on va faire ça. Je vais faire une dent d'Ashor. Okay. Je m'en doutais à moitié. Par contre, il faut faire quelque chose là. Bon, la Fiora qui va se faire porter gentiment. On va récupérer 3 plates sur ça, ça leur met tellement bien. Tu peux gentiment remercier ton équipe pour ça. Mmh.
Là, il faut agir, il faut faire quelque chose. C'est pas normal qu'il soit 3 top et qu'il n'y ait pas de grosse réaction derrière. J'ai rien dit. What the fuck? On a la première tour. Ok, my bad, j'aurais dû respecter en vrai. Je m'attendais vraiment pas à me faire go comme ça. Je sais pas s'il y a Gwen top. De toute façon, Gwen ne me fera pas peur. Là, en fait, je vais build d'une manière à ce que Gwen ne fasse pas vraiment peur. Aïe, 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 la catastrophe. Ok, il s'en sort pas, je pense. Alors, est-ce que Tristana va continuer? Sans, je sais où elle est. J'ai pas trop eu de mal à la one shot, la triste. Vraiment niveau 11. On va essayer de récupérer un maximum de ressources. Je sais pas si elle va passer par la triste ou si elle va continuer. Okay. Normalement on la retue. Ah putain, c'était Ward. Bon, c'est pas grave, j'ai mon ulti assez souvent donc c'est pas trop gênant. Alors, Gwen, je la détruis. Ok, Gwen est là. Après, elle a un red smite. Ok. En fait, Gwen, le problème, c'est vraiment son red smite, en fait. Attention. On va get le mid. Je récupère tellement de ressources, en vrai. J'ai intérêt de carry. Hein. Oh, ça c'est bien joué ça. Drake est pour nous.
Bon, Gwen est fed, mais normalement Gwen... Après, le truc, c'est qu'il y a Smite Red et il y a aussi la Soraka, en fait. C'est ça, le problème. Top 7, j'ai... Non, je veux la sort ce soir ou demain. Je fais vraiment dans la short pour le split pour Fiora et Gwen. Est-ce qu'ils vont vraiment aller plus loin? Je pense vraiment que la Gwen je la détruis, hein, mais vraiment complet. Hein. Ok, là il y a les camps qui vont repop. Regardez les camps comme je les détruis. Je suis à 192 CS à 18 minutes 40 en tant que top laner, c'est pas mauvais. Attends, y a personne là? Y'a Gwen qui arrive. Alors est-ce qu'elle a un ghost ou pas? Voilà. Voilà pourquoi je build de cette manière là. Ah. Vous avez capté ou pas les gars? C'est bon? Il n'y a pas vraiment de bouclier en vrai. Il veut que je fasse ça. Mais Fiora, ça va être pareil. Hein. Fiora, ça va être quasiment la même chose.
Je les ai détruits. Les gars, j'ai même pas reçu un honneur, genre même pas un seul, alors que bon.